Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que nous nous inscrivons exactement dans le droit chemin tracé par Sa Majesté pour célébrer notre retour, le retour de ce que j'appellerais le Maroc, le retour à la maison africaine, comme l'a souligné Sa Majesté. Et c'est donc sous sillage que tout rabbin sera à la fête et fêtera le Maroc, et fêtera l'Afrique, voilà. Je dis, c'est un événement qui met en valeur la création contemporaine, la création artistique contemporaine africaine pendant un mois dans la ville de Rabat. Donc, le musée participe de son côté avec la mise en place de trois expositions. Une première dédiée à un mémorial, on l'a appelé mémorial, dédié à trois artistes, Malik Sédébé, Leïla Halawi et Tman Delami. La seconde, c'est une exposition collective qui sera présentée à l'étage. Et en bas, on a une exposition qui s'appelle Présence commune, dédiée à Koka et Wahib Chahata, une exposition de photos et de peintures. Donc, c'est un événement, comme ce que je disais, qui met en lumière la création artistique contemporaine africaine au musée et qui donne aux gens la possibilité de voir cet art africain qui est très disparate et qui est très particulier dans la mesure où on va montrer à la fois des sculptures, on va montrer des photos et on va montrer de l'art visuel en général.